Alors, bienvenue dans cette autre capsule du projet Aventure rêvée en Terre sacrée. Vous aurez la chance, au cours de toutes les capsules qui vous seront présentées, de nous suivre à travers diverses activités, nos passions, qui étaient autrefois un mode de vie, un mode de transport, pour explorer autant que pour se déplacer au sein d'un territoire, au sein d'une nature qui était encore souvent indomptée, à l'état originel. Alors voici une des étapes, le canot. Pourquoi j'ai choisi de vous présenter cette activité et de l'inclure au sein du projet? C'est que j'apprécie beaucoup l'intensité et la profondeur de la paix intérieure que je vais chercher lorsque mon canot glisse sur une rivière autant que sur un lac. Me laisser bercer par les vagues. Écouter la douce mélodie du clapotis de l'eau que crée la rame. Sentir tous les arômes de la forêt qui m'entoure. Laisser le soleil caresser ma peau. Oui, c'est au sein de la nature que je sens que ma vie prend toute son ampleur. Que je peux affirmer que je suis vraiment vivant. Que tous mes sens sont en éveil. Et à travers diverses expériences, diverses épreuves, la nature nous appelle à nous développer, à nous surpasser, pour oser être pleinement qui on est, pour découvrir notre véritable nature. Alors voilà, je suis un passionné du grand air. Et tout ce que je souhaite, à travers cette œuvre, à travers ce projet qui est Aventure rêvée en Terre sacrée, c'est que ce soit transmissible, et que vous aussi, vous partagez avec moi cette envie de découvrir les grands espaces, de marcher dans les bois, de vous sentir profondément unis à notre mère, la Terre. Pourquoi sommes-nous si bien dans les bois? Pourquoi, quand on est dans la nature, on sent revivre? On se retrouve. Moi, je crois que c'est parce que ici, le temps n'existe pas vraiment. Ou bien il prend une toute autre forme, une forme plus souple. Tout semble devenir au ralenti. Si on compare à la vie à la ville. Ce que je souhaite pour le futur de l'humanité, c'est que de plus en plus de gens prennent conscience de l'importance du lien sacré qui nous unit à la Terre et à notre environnement. Que de plus en plus de gens réalisent que nous ne sommes pas les maîtres de la Terre, mais bien ses enfants et ses gardiens. Que la vie est aussi précieuse que fragile.
et que le paradis se trouve déjà ici, sur la terre, si seulement nous prenons le temps de le redécouvrir, de l'entretenir pour mieux y vivre. Voilà, moi je suis ce que je suis. Et même si ce n'est pas facile à tous les jours, je tente d'être pleinement ce que je ressens en moi. D'oser toujours plus me recréer selon la plus haute vision que je peux avoir de moi. J'écoute mon cœur qui murmure. Secret du bonheur. Et je cherche seulement à faire un pas de plus vers cette direction. Oui, un pas de plus vers cette direction pour que, au-delà du rêve, il devienne une réalité tangible au sein de mon existence. Et par mon expérience, je vous encourage fortement à vivre, à écouter aussi le murmure de votre cœur qui vous guidera. Vers l'existence la plus merveilleuse. Qu'est-ce que vous attendez? Foncez, allez-y. Retrouvez vos rêves égarés. Quand j'entends les oiseaux le refrain annonçant que bientôt le jour prendra fin, je m'unis à leur voix, je laisse là mes peines, et comme eux je ne crois qu'en la paix souveraine, longeant les grands bois qui s'endort dans l'ombre, je rêve de toi, créateur de la pénombre. Au-delà des sapins, le ciel entre en sommeil pour laisser aux humains l'espoir d'un nouveau soleil. La paix du soir. La paix du soir.